Amis neuroneuses, amis neuroneurs, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter un ouvrage intitulé « Les 50 règles d'or de l'éducation positive » qui est édité chez Larousse Pratique dans la collection « Les mini Larousse ». Le voilà. Alors, pourquoi ce livre? Donc déjà, niveau pratique, c'est un tout petit livre. Hein, c'est vraiment ça, c'est pas encombrant, donc on peut très facilement l'avoir avec soi. Il coûte 4 euros, donc par rapport à d'autres ouvrages plus conséquents, c'est vraiment abordable. Et ensuite, au niveau du contenu, il est très très synthétique puisqu'il s'agit de la liste d'une cinquantaine, de 50 règles très exactement, avec à la fin un petit pour aller plus loin pour ceux qui veulent, qui préfèrent faire ça seul dans leur coin ou ceux qui préfèrent avancer en groupe. Avec à la fin une petite bibliographie pour aider à aller plus loin. Bibliographie dans laquelle on retrouve un certain nombre de titres d'ouvrages que nous avons dans la bibliothèque des Vendredis Intello. Donc n'oubliez pas que cette bibliothèque est ouverte pour les adhérentes et les adhérents gratuitement. Vous pouvez demander à emprunter un livre, le recevoir chez vous, et la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous engager à le renvoyer vous à la prochaine personne qui le réclamera. Donc voilà. Alors au niveau des règles, donc il y en a 50. Et ce qu'il y a de bien, c'est que d'une, c'est pas tellement de l'injonction, vraiment. Enfin moi personnellement, je l'ai vraiment pas pris comme des règles injonctives. Il faut faire ci, il faut faire ça, qui sont culpabilisantes et finissent par être franchement chiantes, quoi, pour dire les mots. Et enfin, ça ne parle pas que de nos enfants, ça parle aussi de nous et du fait qu'il faut qu'on prenne aussi soin de nous, que si en gros, si on n'est pas bien, ça va être compliqué, quoi. Donc par exemple, la règle 1, c'est oublier le mythe du parent parfait. La règle 7, c'est abandonner les idées reçues. La règle 11, c'est et si vous agissiez sur votre stress? Voilà. La règle 16, vous faire du bien leur fera du bien. Donc on arrête de culpabiliser parce qu'on n'a pas joué cet après-midi-là avec eux, parce qu'on a préféré se faire une après-midi entre copines ou entre copains, qu'on a préféré se faire un bain, qu'on a préféré aller se faire un ciné comme ça, solo. C'est très bien en fait de faire ça parce que ça vous permet de recharger vos batteries et d'être à même après de vous occuper mieux, d'être plus facilement présent pour vos enfants. Ça c'est chouette en fait. Règle 19, ne vous prenez pas la tête. Règle 23, assumez vos propres émotions. Alors oui, là je sais pas ce qu'ils disent exactement, parce que bon, ça c'est facile à dire, mais à faire après ça peut être un peu plus compliqué. Donc je vais vous la lire, tiens, la règle 23. Assumez vos propres émotions. Si vous êtes libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle, immédiate de vos émotions. Si vous voulez être libre, pardon, de vos émotions. Dans notre culture, nous avons souvent honte d'avoir peur ou d'être en colère. Oui, ça. Autorisez-vous à dire « je suis furieux et humilié quand on me parle sur ce ton ». Une émotion n'est ni bien ni mal, elle est. En revanche, la façon dont vous allez l'accueillir et la gérer vous apaisera ou non, contribuera ou non à trouver une solution aidante. Il est donc important de savoir identifier ses émotions et d'en prendre la responsabilité. Ne dites plus « tu me parles mal », mais « je suis en colère quand ?» J'écoute ta version des faits. En utilisant le « je », vous permettez à l'enfant d'entendre votre point de vue sans qu'il ne se sente jugé. Alors, à mon avis, ça, c'est le genre de choses, ça marche avec les enfants, ça marche aussi avec les conjoints, les parents et tout ça, plus ou moins. Hein. C'est valable en général, c'est pas applicable qu'avec les enfants, c'est ça qui est chouette avec ces 50 petites règles-là. Donc voilà, il y a des tas de petits conseils comme ça, qui ne sont pas trop personnellement, même si ça s'appelle règles, je trouve ça pas trop dans l'injonction. C'est vrai que c'est des phrases à l'impératif, impliquez votre enfant, donc peut-être que d'autres personnes le prendront de façon plus injonction, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt libérateur parce qu'il y a un certain nombre de règles qui est lâcher prise et chacun fait de son mieux et personne n'est parfait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
qu'elle vous aura donné envie de lire ce petit livre-là. Je ne sais pas s'il peut se trouver dans les bibliothèques ou quoi, mais sinon, je ne sais plus, moi, si ça se trouve, j'avais même acheté ça en grande surface, hein, je ne sais plus du tout, ou sur une aire d'autoroute. Mais voilà, de chez Larousse Pratique. Et au niveau des auteurs, donc c'est Bénédicte Péribert et Solène Roland-Richer, j'avoue que je ne sais pas du tout. Alors, psychologue clinicienne pour Bénédicte Péribert et spécialiste des pédagogies innovantes pour Solène Roland-Richer. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!